Et bien bonjour à tous, c'est Sébastien pour un nouvel épisode de Pokémon Épée, l'épisode 10. La dernière fois, on avait fait l'arène de Donna. On avait fait l'arène Oh. Oh. Et donc aujourd'hui, on va faire l'arène Feu. Feu. Non, ce moment, on va devoir aller jusqu'à l'arène Feu. Donc, Motobay, je savais bien qu'il y avait une arène à Motobay, mais je me disais bien, c'est bizarre, on ne l'a pas faite. Non, parce qu'elle se suge pas finalement. Ok. Go vélo. On a vu, on devra affronter l'autre là. Parce qu'il y en a eu, on lui dira, allez, go. Il m'a agressé le... La mine de garde numéro 2, c'est un bon coin, ça goûte du Pokémon dur comme de la pierre. Bah ce serait peut-être pas une... Non, je rigole, je crois que j'en ai des Pokémon... Attendez, qu'on réfléchisse, niveau équipe. Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons faiblesse pour les feux sol roche, pour les vols haut. Sol roche haut. Insecte, combat, normal, acier, roche, glace. Il nous manque Spectélèbre et Epsis, c'est bien ce que je pensais. Donc les Pokémon roche, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'un Pokémon roche. Ah! Encore toi. Ne te comprends pas, je ne suis pas venu ici pour affronter les sorts de la mine. La faiblesse du niveau général, ce serait bien trop dégradant pour mon équipe. Ce qui est la vérité pour moi en tout cas, parce que je viens quand même les tuer, parce que bah il faut quand même leur montrer qui est le boss, mais... mais c'est un peu honteux. Remarque, je pourrais être miséricordieux et tout vaincre pour vous épargner de souffrances ultérieures. Je vais commencer par toi d'ailleurs. Tu crois que tu as la mariteur, ne me fais pas rien. Laisse-moi te montrer en combat les tout tendus du couvre qui ne sait pas. Oui, tais-toi. Très vite, le destin va se battre. Nucleus. C'est ce Pokémon Psy là. Ah, c'est con. J'ai les Argus en premier, dommage. Level combien? Level 21. Non, mais là, il y a un branchement ouf. Oh bah. J'ai bien fait de mettre Ballombre, clairement. Bah. Il est vachement stylé, les Argus. Il a ce petit terre-autin que j'aime bien. Il regarde au travers. Je dois avouer que tu es un peu pour c'est juste un peu. J'ai bon, mais 50% de level en plus par rapport à ton équipement. Je t'appelle bien. Comme tu l'auras pas remarqué. Envoie un Scrutella. Bah non, c'est un Pokémon Psy. Moi, je veux bien affronter Scrutella. Il me fait penser un peu à. Comment ça s'appelle ? À Merlin dans. Enfin Merlin dans Seven Deadly Sins. Je sais pas si vous avez la ref. Mais un petit peu genre la main sur le côté, il lance un sort avec un bras, il te regarde de travers. Il se sent supérieur à toi, clairement. Un bibichute. Le bibichute. Il est tout en blanc. J'ai bien fait de mettre Ballon, moi. Après, je pense qu'avec n'importe l'attaque, j'ai des Avengers. Un Ponyta, il a pas de chance, hein. Tu as réussi à me pousser dans mes dernières 30 manches, je t'en félicite. Oh, il est trop beau, le Ponyta de Galar. Ah, j'adore. Ah oui, il est fait. Il a de galère, c'est vrai. Il est pas feu. Tu es bien brave, donc j'ai eu pitié de toi. Je vais te laisser gagner. Oui, tu as failli me battre, hein. À 5 Pokémon près, hein. Toutes mes excuses semblaient donc que tu ne sois pas irrémédiablement lamentable, mais tout simplement pitoyable. Quoi qu'il en soit, tu as bien la... Et tu es bien loin d'avoir le niveau suivant pour le défi des arènes. Mais tu as bien mérité une image pour l'effort que tiens. Prends donc ma carte de ligue. Le soudage, mais j'ai des étoiles vœux à côté. Niaou. Mais là, je crois que mon équipe, elle est prête pour deux arènes, là, hein, en vrai. Je pense que je peux affronter l'arène là et l'arène d'après. No joke. Oh, c'est un... Merde. Trop mignon, c'est dans le Japon, ça.
Ça, c'est un mâle d'ailleurs. Non, une femelle. Les Ross, elle est mâle. Je sais plus son nom. Je t'ai su. Oh mince! Les femelles vont presque tomber KO. D'accord, je vous laisse en accélérer les... Parce que j'ai dit que je sais pas encore si au montage. Oh! C'est quoi ça? C'est un chariot? Je sais pas encore si les combats je les élite ou si je les accélère. Dans tous les cas, sachez que celui-là, je pense qu'il va être accéléré. Bisous, bye. On l'a perdu, mais bon, moi, mon Pokémon s'est enfin calmé. Ok. Oui, on s'en fout. Allez, on se casse. Ah. Un Limonde. C'est quoi ça? C'est un piège jaloux? Genre. Laser glace? Je crois qu'il est acier. Ah d'accord, c'est censé être un Pokémon fort. D'accord. Oui c'est ça, c'est censé être un Pokémon fort, d'accord. En fait, il y a des pièges sur le sol et j'ai marché dedans. C'est ça, c'est exactement ça, ok. Je vais être sûr, hein, mais c'est ça. Allez, on finit ce combat vite là. Beverly. Ouais, j'aimerais faire un niveau 36, mais après je joue à les autres parce que du coup, bah, il va être un petit peu en... Bah, il leur manque des deux, quoi. Je crois même plus la peine de lire ce qu'ils disent, on s'en fout. Allez, donne-moi ça là. Un crogriffe. Abdelatinière prolonge la durée des attaques à tour multiple telles que l'icotage et étreinte. Ok. C'est un piège, je sais plus ce qu'il. Ah pardon, t'es en jeu, mais t'es bien challenger, non? Voilà, c'est super impressionnant, tu voudrais bien nous accorder un petit combat. Ah, t'es là du team. Ah, y'a la ville. Salut la ville. Bah, où tu t'es déjà trouvé des groupies? On dirait mes frangins. T'es qui toi? On t'a pas sonné. Je m'appelle Nabil, je suis prochain maître. Non mais lol quoi, on sait tous que le prochain maître c'est Rosemary. Quoi, vous croyez que les autres sont incapables de d'y arriver? Vous allez le regretter. Et bien le team, on va leur montrer. Oui. Allez, tais-toi, lance le combat. Ah bah voilà, ils ont des évolutions enfin. Il évolue pas mon bouton? Ah si, c'est juste qu'il est le 22, d'accord. Voilà. Beaucoup d'attaques spéciales quand même. Ouais.
Il va par dessus. Ah, il est mignon. Il vient de X, ça. Hein. Putain, on s'attaque les deux, non? Ouais. C'est la honte. C'est la giga honte. Franchement, est-ce que c'est pas un petit peu honteux de leur part, ça? Allez, hein. Même si tu touches 5 fois, tu ne feras rien. Ah, tu m'envoies 17 PV. Bien joué à toi. Oh, trop mignon les corps d'esprit que j'adore. L'animation pour le ballon est vraiment stylée. Hein. Elle a toujours été plus ou moins stylée, mais là, j'adore. On a perdu, mais où est le reste de la team quand on a besoin de Diel? On aurait peut-être eu une sorte de chance de gagner si on avait pu faire un max de bruit. Toi là, t'es le petit frère du maître, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné. Il y a des frères mieux que d'autres. C'est illégalement pas juste. La team vous vengera. Nous vengera, pardon. Mais là, d'ici, on fait vraiment la paire, toi et moi. En fait, t'as vu Kabu? Toi, parce que moi non. Continue de chercher, on va bien le trouver. Alors, équipe, au niveau de ça d'ailleurs, je remets lui en premier. On va un peu entraîner Tino parce que je l'aime beaucoup. Morceau d'étoile. Oh non! Quoi, tu veux quoi toi? Tu veux qu'on se fight? Level 50, je m'en fous. T'auras un gamme mort. Oh, l'audience est choquée. Critique, c'est vraiment pour dire qu'il attaque, hein, parce que ok. Bah, ça avantage, ça donne beaucoup d'XP par contre. Ouais, ça donne trop d'XP. Ce jeu, en fait, il y a trop d'XP, je trouve. Sinon, il est bien, hein, mais. Un sac doux. Sable doux, pardon. Excusez-moi, monsieur, je vous ai marché dessus. Bon, en tant que combat, là, ils vont me faire chier. Il y a fond, comme il danse, etc. Moi je vais l'attaquer, oh, il va du point. Quel phare, je n'ai pas pu résister. Sorry, not sorry. Tombé sable. Ça va être pas mal dans une équipe sable, mais dans une équipe sable, pardon. Non, j'ai marché dedans. J'ai vu en plus. Un limonde. Comment ça, elle a encore envie? C'est quoi cette arnaque? Allez, attends. Bon, d'ailleurs, si j'y suis. Voilà.
Petit miel, merci pour votre contribution à l'entraînement, j'apprécie vos efforts, mais que je ne vous reprenne plus à déranger un vagomine dans mon sens du travail. Vous voulez pas le déranger, vous voulez l'encourager? Bon là, Team Biel, c'est reconnaître quand elle est vaincue, allez hop, on remballe. Mais pour les encouragements, mais rien de vous l'application et les efforts. Vago! C'est Kabu, comment il les a incendiés? C'est pas pour rien qu'il est le champion du type feu. La bille du team, c'est bien ça? Les challengers recommandés par le maître. Pardon, je suis en plein entraînement, je mets un point d'honneur à offrir un combat des plus stimulants aux challengers. Les mines de galère numéro 2 regorge de Pokémon O, un véritable défi pour mon équipe de type feu. Enfin, ainsi par là, il est temps de rentrer, vous êtes en route pour Motorbike, je suppose. Dans ce cas, continuez tout droit et vous y serez. Allez vous reposer à l'hôtel pour être frais et dispo pour relever le défi de l'arène au plaisir. Le brûlant combat vous attend demain. Je sais plus lire. Nabi, il est toujours très content. Il est dans sa vie, lui, il est très content. Mon frangin m'a parlé de Kabu. C'est pareil que plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Du coup, va pas falloir se relâcher. Le Agamine de tout à l'heure devrait être là pour un Poké Service, tu sais ce que c'est? Non. Ah, c'est pas tant, je vais t'expliquer. En gros, il y a des gens qui recrutent des Pokémon pour accomplir des missions et il paraît qu'on peut leur prêter les nôtres en s'adressant à Infodisma dans les centres Pokémon. En tout cas, c'est ce qu'il y avait décrit dans les notes du frangin. Bah, on file, on se repose à l'hôtel, on a toujours nos chambres au rose bouton d'or de Motorbike. Il faut qu'on soit en forme demain pour affronter Kabu, le champion de l'arène de Typhon. J'ai tout lu d'une traite, hein. Vas-y. Qu'est-ce que vous avez là? C'est quoi ça? Ah, une dresseuse! Salut! Nabil est passé devant, genre à la branle! Clémence la mondaine. C'est une richou. Salut, je suis une mondaine. Avec ses chaussures là. Il va pas être déçu du voyage, lui, hein. Point à glace. On a un truc qui va être genre vol ténèbres ou vol poison comme le sorti. Ou j'ai point glace ou point clair, mais. Ça passe. Pour de moi, je constate que tu disposes d'une certaine expérience de combat. Ok, laisse-nous tranquille la mondaine maintenant. Moi, je retourne chez moi. Let me alone. Oh, c'est le flic. Halt, tu es en état d'arrestation pour te battre contre moi. À qui ira le policier? Non, c'est nul ça. Bon, c'est le one shot quand même. Hein. Rien à redire, c'était Bergamon, ils sont en règle tout comme tes techniques. Il rigole ou il régurgite là? Quoi ce bordel? Plume sprint. Mental. En off, j'ai ramassé plein de trucs dans ce genre là aussi. Hein. Parce que j'avais refait le pont et à chaque fois il y a plein de trucs sur le pont. D'accord. Alors, on y va là parce qu'elle est là. Vom vom. C'est là l'hôtel. Yotim, c'est ça? Eh bien, tu t'entraînes tard. Si tu veux bien me rendre un service, on peut se faire un combat. Je stresse un peu pour le défi, j'ai peur de pas avoir le niveau. N'hésite pas, ça me plaît.
Regardez les gogoles là, avec sa pancarte là. Elle a l'enveloppe en plus, sa pancarte, on dirait qu'elle est rallongée. Rosemary la tresseuse de se battre. Cradopo. Si je perds, j'aurai vraiment la haine, mais ça arrive, ça n'arrivera pas. Alors Cradopo, je crois qu'il est ouais, c'est ce que je pensais. On va tenter un point éclair. En fait, il est combat poison. Un Baggy Gwen. Oh, Baggy Gwen. Pourquoi level 34, genre exprint. Iguen. Ça donne tout qu'un insecte, non? On va laisser lui. Genre, point feu. Non. Ah, mais il est brûlé. D'ailleurs. Baggyman, c'est combat ce truc? Non, ça a l'air d'être un truc. Qu'est-ce qui faiblesse? Genre acier, roche. Quel est le normal peut-être simplement? Morpeko. Ça peut pas se finir comme ça. Je vais pas me laisser faire. Morpeko. Oh, c'est trop mignon ce truc. J'aime trop. On va le défoncer. Ah, c'est normal ce truc. Merci pour le 1 PV récupéré. Ah, via l'immonde d'un level. Regardez la défense qu'elle gagne à chaque level. 3 et 2 en attaque, c'est abusé. Je trouve ça trop fort, Philippe Limon. Je vais apprendre Zénith. Non. Bah. Non, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Même pour synthèse. Parce que le temps que je vais être. En fait, en un tour, enfin, vu dans ce genre de jeu, y a pas... c'est pas un combat en plusieurs tours. Moi, je l'aime bien, Rosemary. Elle a pas l'air trop chiante. Vu la journée qui nous attend demain, moi, c'est d'autres directs. Tu ferais bien de faire pareil. Lendemain matin. Salut Décime. Ton pote est déjà parti pour le défi des arènes. Il a dit que la carte de ligue de Kaboul avait aidé à préparer sa stratégie pour le vaincre. D'ailleurs, il m'en a fini plein. Bouge pas, je t'en donne. Nabil, franchement, il est génial. Je l'aime. Tiens, au fait, c'est cadeau pour hier. Les antivols. T'as gravé le niveau pour inventer le champion du type feu. Qu'est-ce que t'attends? Fonce, choper le badge au stade des motorbikes. Alors, oui, mais d'abord. Pour les poké. Les baies, elles sont là. Il me faut la baie, où est-ce qu'elle est? Fève, elle est là. Je vais la filer à Tignon. Je vais la filer à l'exprint au cas où j'en ai besoin. Parce que je vais quand même jouer avec l'exprint de Tignon parce qu'ils sont level 34 et 35. Comme ça, au moins s'ils sont brûlés, ils récupèrent, ils ont pu être brûlés. C'est chiant la brûlure. Je vais mettre d'ailleurs l'exprint en premier. Parce qu'il est level 34. C'est vrai que c'est beaucoup plus mis en avant les combats Pokémon dans celui-là. Ah, il a déjà eu son bat lui, ça se sent. Ah toi Décime, choper le badge de feu, j'ai trop géré. Mais j'ai eu chaud, ah. J'ai prononcé aha. Normalement tu me diras pour la reine de type feu. En tout cas, Kaboul assure, j'ai sorti les grands moyens et franchement j'en ai bavé. Force Décime, Kaboul est un grand athlète, mais je sais que tu seras de taille. Alors si toi t'as eu la reine, moi j'ai pas de soucis en théorie, hein, clairement.
Ah super. Faut parler à lui. Ok, allez go. Bah, il était... What? Okay. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Nabil est sorti en courant. Je suis perdu. Alors là... D'ailleurs, je commence l'arène à ce temps de la vidéo. Rien à branler. Allez, on y va, j'ai envie de faire laisse-moi t'expliquer l'objectif de la mission d'arène du type feu. Il faut capturer un maximum de Pokémon pour marquer le plus de points possible. Il faut 5 points pour gagner. Vaincre un Pokémon tapis dans les autres herbes te rapporte 1 point. Le capturer 2 points. Mais garde l'esprit que tu n'es pas le seul dans l'liste. Il y a d'autres sorciers qui participent. Il faut garder un œil sur tes rivaux et adapter la stratégie en fonction de leurs actions pour engranger un maximum de points. Que la mission commence. Le problème, c'est que moi je peux pas les choper et je vais one shot. Ah d'accord, j'ai dû comprendre. Ça peut être dur en fait. Je fais genre tonnerre. Voilà. Je suis trop fort. Le dégoût est sur son visage. Ça, c'est un Pokémon haut, non? Ah non, d'accord, c'est un spectre feu. Funessir. C'est vraiment dégueulasse, on dirait vraiment une serpillère, ce Pokémon. Hein. Bon, hein, le défi est pas très dur. Hein. Étant donné que je one-shot les Pokémon. Bon, hein, c'est un peu au moment. J'ai la flemme. Le... Ouais, allez, chope le... Non, ça fonctionne pas. Dorflemme. Attends, j'ai pas compris pourquoi il m'attaque tous là. Ah, il m'attaque tous. Voilà, dégage. Fallait pas m'attaquer en fait. J'ai pas beaucoup qui t'es pris, mais. Ça dégage. Châtiment. You can do it. J'en ai battu deux là. Il n'y a plus qu'un point pour réussir. Oh, dégoûté. Je vais quand même soigner mon Pokémon. Une eau bien fraîche.
On doit avoir encore des B, non? Une B au rang. Voilà. Et alors, ça verra, hein, clairement. Ok. Oh, elle est pas morte. Oh non, il va la finir. Ah. Enculé. J'aurais dû faire tonnerre. Il n'y a pas de truc mal avec elle, hein. Je me... C'est pas méchant, mais ils pourraient mettre des Pokémon diversité. Je peux me faire toujours le même Pokémon, quoi. Bon, genre, c'est tonnerre parce que sinon, je vais me faire avoir. Ah. Mission accomplie. Ok. Voici la mission d'arène de Kabu pliée en deux temps, trois mouvements. Tu vas maintenant pouvoir affronter Kabu, le champion de cette arène. Field Ranger, go go go. Go go. Laisse-moi remettre mon équipe comme il faut déjà. Alors, je vais mettre lui. On va mettre lui. C'est très bien lui. Allez go. Bizarre, on vient du même endroit. Bienvenue, comme tu sais déjà, je suis Gabou, le champion du type feu. Si tu es ici, c'est que tu as vaincu les équipes plantes et eau de Percy et de là. Bravo. Laisse-moi te dire une chose sur les combats Pokémon. L'entraînement, ça ne fait pas tout. Je sais, c'est une équivalent d'un coach. Tout le monde peut s'entraîner, mais il faut aussi être capable de tout donner au moment crucial. Gabou, champion d'arène, va se battre. Allez, go! Un fenard. C'est tellement stylé ce Pokémon. Dommage, c'est qu'entre les différentes arènes, le niveau on prend pas tes masses. Hein. Enfin, l'arène c'était level 20, les deux arènes c'était level 25, et là ils sont encore level 25, j'ai l'impression. Enfin, bref. Une heure, Kabu, tu peux gagner. Fais brûler la flamme qui est en toi, puis dans tes réserves. Une grande serpillière!
Bon. Voilà, voilà. J'ai battu Cabo, le champion d'Arène. Vous avez fait de super boulot, ton Pokémon de toi, c'est ça, vous l'avez mérité. Bon, voilà, tu as su tout donner pour réussir avec besoin mon épreuve question, considérée comme le premier véritable obstacle du défi des arènes. J'ai beau avoir des années d'expérience et d'entraînement, cela ne suffit pas au face au talent. J'aime rencontrer des dresseurs comme toi qui me font réaliser que j'ai encore des choses à apprendre. Pourquoi ils trottinent toujours comme ça? L'équipe et toi, vous irez loin. Je le sens. C'est une bien belle rencontre sportive que nous avons vécue aujourd'hui. Je te donne ce badge, je ferai en récompense de ta victoire. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 35. Ici à Galar, les Pokémon Dynamax sont les stars du stade. Leurs combats font partie intégrante de la culture. Et c'est chaque nouvelle génération de dresseurs qui permet à cette culture d'être perpétuée. Tradition n'est pas stagnation, c'est le sang neuf qui nous force à évoluer. C'est à nous adapter au temps moderne. Nous autres adultes comme sommes là pour vous soutenir, vous les jeunes. Lâche ma main maintenant, monsieur. 10 000, je savais que ça irait pour ton les Argus et toi. Mais sans rire, j'ai stressé de vous pour vous pendant le combat. Mais stressé de quoi? Bon, tu es à présent détenteur des badges plantes, eau et feu. Du bien beau travail. Accepte cet été pour fêter tes exploits d'aujourd'hui. Feu follet. Ah, c'est cool par contre comme technique. Ça fonctionne bien au level 100 par contre. Mais là au level. Ça. Intègre également un uniforme avec le même design que celui du Cabo. Magnifique, non? Va ta puissance. Vu ta puissance, tu es en mesure d'affronter les champions qui t'attendent à Kikunam au-delà. Terre sauvage. Et blablabla. Avec nos badges, tu n'auras aucun mal à affronter les terribles Pokémon qui se cachent tout au fond. Les terres sauvages. En route pour l'aventure. Ok, bah moi je pense qu'on va sortir et s'arrêter là, parce que je suis à 40 minutes de vidéo pour moi. C'est un épisode plus long que d'habitude, mais écoutez, Inch'Allah. Pourquoi je suis sorti en plus? Ah, ils s'en vont. Attendez-moi au moins. C'est bon, Décime, on y va. Hein? Waouh, vous êtes venu exprès pour nous dire au revoir, vous êtes un champion. C'est parce que vous savez que je serai la prochaine maître, avouez. Beaucoup de challengers ne parviennent pas à obtenir les 3 premiers badges. Ils abandonnent le défi des arènes. Je me fais donc un devoir de saluer le départ de ceux qui y parviennent. Et je ne suis pas seul. Oh! Juste à temps, heureusement que les tactiques volants sont là. Décide Nabil, bravo, vous avez réussi à vaincre Kabou. Peu de challengers parviennent, on est vraiment très fiers de vous. C'est pour ça qu'on est venu vous saluer à votre départ pour les terres sauvages. Pour fêter cela, j'ai préparé un petit chant d'encouragement. On est les champions. Le challenger nous fait peur, continue de nous faire rêver. C'est bon, gênant. Les champions d'arène qui vous attendent sont tous redoutables, certes, mais ne laissez pas vous dégorger pour autant. Ayez foi en vous et en votre équipe. Merci, monsieur Kabou, et merci, Donald aussi. Vous en faites pour nous, pas pour nous, on ira jusqu'au bout. Après tout, on doit s'affronter en finale. Que dame, nous voilà en route, Jessime. D'accord, en fait, donc on va à la gare et on se casse. Et ça me... D'accord, automatiquement, ok. Bon, cette vidéo ne va jamais s'arrêter. Stop it! Les terres sauvages, comme on se retrouve, je vous préviens, je suis plus le même. Ah, d'accord, je comprends en fait les terres sauvages, c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'il y a tous les Pokémon de toute la région, d'accord. J'avais pas compris ça, donc pendant plusieurs épisodes, je trouvais ça un peu dommage parce qu'on peut pas trouver spécifiquement, en fait, on peut tout trouver là-dedans. En vrai, on pourrait foncer direct là-bas. Mais avec notre nouveau badge, on peut capturer des Pokémon bien plus costauds qu'avant. Et ça, c'est un truc par contre qui, je pense, est vrai. Ils essaient de nous faire capturer plus de Pokémon dans cette version. Perso, je pense qu'on devrait pas se priver. On va capturer des Pokémon trop balèzes. Notre histoire continue. C'est toujours aussi nié à ce que je vois. Vous êtes touché vos espoirs, mais le défi des arènes, vous pouvez vous faire une croix dessus. Le maître doit vraiment être complètement crétin pour commander des tels minables. Mon pote Nabil, tu es incapable de lancer une Pokéball correctement, c'est pitoyable. Tu sais, mon pote, quand tu parles, je lance des Pokémon comme un pro. Et te moque pas de mon frangin, c'est le meilleur maître du monde. Qu'il est pénible, bien plus que tu ne veux pas comprendre. Que dirais-tu d'un petit combat? Arrête un peu de te la jouer, je sais que dans les mines tu t'es pris raclé par des teams. Et niveau combat Pokémon, on est au coude à coude, moi et des teams.
Comment te dire, mon petit labile? C'est non. Donc je vais terminer, c'est QFD. Je trouve que tu parles beaucoup des autres, que ce soit des deuxièmes ou du maître. Serait-ce qu'au fond, tu as conscience de ta propre médiocrité? Je vais l'éclater, il va rien comprendre. Il va voir ce que c'est. Qui c'est qui est médiocre? Tiens, Odyssime, on se recapte à Kikonam. Non, arrête d'avancer, laisse-moi finir cette vidéo. Je t'en prie. C'est bon? Voilà, on s'arrête là. Je vois ça dans cet épisode 11. Je sais, je crois hein, que c'est le 11. Oui, c'est le 11, on va dire. Non, c'est le 10. Oh, 10, c'est le 10. De cet épisode 10 de Pokémon. Épée. Je vais. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé. À commenter si vous avez envie. À commenter pour me donner des astuces comme d'habitude. Et à partager pour les créateurs, comme ça qu'on les fait avancer. Je le dis très vite. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!